Bon, contrairement à la plupart des écrivains et des intellectuels dans mon pays, je n'ai pas de certitude, d'opinion extrêmement arrêtée, catégorique sur ce qu'il conviendrait de faire dans les temps qui arrivent et qui vont suivre le passage de l'épidémie. Je sais simplement, comme tout le monde, que ça va être des temps très difficiles, avec une crise économique très très grave, donc une crise sociale aussi certainement. Et j'aimerais qu'on aborde ces temps dangereux avec un esprit de modestie, de courage, mais de modestie, de recherche, d'écoute des autres, de tolérance. Malheureusement, je crains le contraire. Je sais ou je crois savoir depuis, je peux dire depuis 26 siècles, puisque c'est déjà ce que disait l'historien grec Thucydide, que les temps de crise sont ceux qui favorisent les opinions les plus tranchées, les plus violentes, les plus arrogantes, les plus sûres d'elles. Donc voilà, je crains que ne ressurgisse le grand fantasme si séduisant et si dangereux de la table rase. Voilà, d'un autre côté, je suis un curieux, passionnément curieux du monde. J'ai toujours aimé aller rencontrer les autres civilisations, les autres pays, les autres langues, les autres peuples. Bon, mon dernier livre que je suis venu présenter d'ailleurs à Bagdad il y a quelques mois en témoigne, Extérieur Monde, et je suis un peu accablé, effrayé par la perspective d'un monde fermé, d'un monde avec les frontières verrouillées, d'un monde où la citoyenneté du monde n'existerait plus, où on se replierait sur les entités nationales. Voilà, je voudrais pouvoir continuer à aller à la rencontre du monde. Je ne suis pas un touriste, je n'aime pas spécialement les touristes, je n'aime pas spécialement la futilité qu'il y a souvent dans le tourisme, et je n'aime surtout pas le tourisme de masse, mais en revanche je me sens, curieux du monde entier, et je voudrais que cette curiosité puisse continuer à se donner libre cours, mais je crains que cela devienne de plus en plus difficile. Voilà, c'était mes craintes. Je suis un peu un pessimiste, mais j'espère vivement être détrompé.